Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, au commencement de ce jour nouveau que le Seigneur nous a accordé, offrons-lui cette journée, offrons-lui notre journée. D'un cœur sincère, rendons grâce à Dieu. Le soleil se lève et mes premières pensées sont pour toi, Seigneur Dieu. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour le souffle de vie que sans aucun mérite de ma part tu m'accordes. En Jésus-Christ, tu nous es apparu. En lui, en ce jour nouveau qui se lève, je reçois les grâces de ta fidélité et de ton amour. Que cette fidélité et cet amour deviennent visibles dans les actions que je vais mener tout au long de cette journée. Amen. Dans le silence du cœur, engageons-nous en prenant des résolutions. Et maintenant le psaume 85. Écoute au Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle à chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Ensemble, disons la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que l'intercession de la Vierge Marie nous soutienne également en ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur,
ambassadeur des dons spirituels. Tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de ce jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.